Being elected into the position of a president. The chief coach, the assistant coach, Paul Bitok, was also elected deputy president. Right. So for the two of us, this is the best president that we could get. But it also sets the pace and way for a very tough job, because we have to prepare hard for the Olympics. We have to prepare very hard for the World Championship. We have also got to prepare very hard to defend the All Africa Games title, which we won 4 years ago. Yeah. So there's a lot of work cut out for us, but the coaches and the girls are ready and up to it. Kenya is under an FIVB program by the World Volleyball Federation that enables coaches to come and coach the national team. And at the moment, you've got a Brazilian coach, Demora, who's there. How impactful has this program been? Very, very impactful. We are very, very grateful to FIVB, the Federation of International Volleyball, for choosing us to be the recipients and the beneficiaries of the Volleyball Empowerment Program, Volleyball Empowerment Project, which is a special project that saw us get 6 coaches from FIVB, the head coach, the statistician, the physiotherapist, and the strength and conditioning coach and the assistant coach. It has done us a lot of pride, and we have Mr. Demora, who is the head coach, and they've done a lot of work, and we have gained a lot of from that project. We are hoping that it can be extended, and it has really, really helped us, and we will try as much as possible now to have our local coaches understanding those foreign coaches, so that in future we can now do homemade programs. All right, thank you so much, the president of the Kenya Volleyball Federation, Charles Anyaberi, for passing by to a makeshift studio here at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex. We're just going to have the assistant coach of the Kenya national volleyball team. That's Paul Bitok. It's Vijnibok. Yep. Paul Bitok, congratulations for your winning. One year you were with Jeffet Monala, 1 year you were alone, and today we were too many to manage the team. So what is your secret? The secret of this kind of competition is to have a very good teamwork, to have a good technical, and with this technical from experts from Brazil, really worked for us. We worked more than 3 months, not only for this tournament, but to Cameroon. We knew Cameroon was the challenger in this tournament, the contender, the title holders for 3 times in a row. We knew that it is going to be very hard for us to win. But I'm happy today celebrating the 10th title and also a ticket to Olympics 2024. We saw you dancing with the girls, and I've seen Kenya playing. They have played the best volleyball since I have seen them. But I would like to know, how long have you prepared? Where did you do it? And what have you made to manage your team and bring it to the success? Yeah, the first thing is about training. We worked so hard, physical training. We played many friendly matches. We maintained the team which we had since 2020, and bring in the new players, maintaining experienced players like Massimo Im, Wissa, and bringing in the young ones together, blending together. If you can see now, Cameroon, they missed Moma, missed Nana, they missed a leader in the team. But we have Moim, though she's not the best at the moment, but she's there to control the team. She's there to calm the situation as an experienced player. I thank Chomba. After playing professional this season, she changed completely. She changed the attitude of play, the way she's scoring, the way she leads the team, which I can tell you that if Moma was in Cameroon team, could have been a different story, because these are the best players that we have in Africa. I am so sad as a coach in Africa, seeing Cameroon losing matches like this, and they have the best players in Africa. I can assure you that this season,
they were in trials with Chumba for Korea, and Moma made it to Korea. Chumba didn't make these trials. So you can imagine the player that we miss in Africa. We want the best representation in the world. And I request and I urge Federation, government of, through Ministry of Sports of Cameroon to bring her, because she's very young. We need to represent Africa. We need to fight with the other world. We leave politics out of players and let the players work and produce and lead the country. Fly the flag of the country, believe in the flag of the country, and I believe we can do better and better for Africa. Thank you, Mr. Paul Bitok, and we wish you the best. Thank you so much. Thank you, the people of Cameroon. They give us the best hospitality since we came here 3 weeks before the competition. We have been really enjoying, and today in finals, they support us as sisters and brothers. Thank you, and may God bless you. That was the assistant coach of the Kenya volleyball team, the Marquee Strikers. That's Paul Bitok. He's also been elected the deputy president of the Kenya Volleyball Federation. He was given that authority a week ago. So we are now going to go back to the Taraflex where we are having distinctions. We're going to join the queue there. Une façon de dire merci à ces légendes, ces anciennes qui sont revenues retrouver l'équipe nationale de volleyball au moment où elle avait besoin d'elle. Elles sont revenues, Fotso Mogoun, Fawzi Abdul Karim et puis Henriette Koula, triple championne d'Afrique. Yeah. Il y avait également Simone Beltra de Bikatal. Yeah, Bikatal and Stephanie Fotso. The only players in this current squad with three African Volleyball Championship titles. There is also Ariel Kula, she's got two, and also Fawiza, a veteran, so they've all been decorated here for their service to the nation. There's also Imelda Piata, who is getting medaille a distinction de bronze there. Yeah. She was with Cameroon in the 2022 World Volleyball Championship, the Nantes volleyball player. Estella Diana getting her own distinction too. So the 1990 the World best score Cup winner Roger Mila is there in this ceremony. So Estelle Atiana, meilleur attaquant, distinction as the best attacker. Estelle Atiana qui a fait ses débuts dans Agnon et que les volleyball avant de s'envoler pour la France où elle continue sa carrière. Elle aura été véritablement importante pour l'équipe camerounaise. On n'a pas toutes les statistiques, mais avec elle, le Cameroun a puis exister, trophée remis par une attaquante camerounaise ancienne Lyon, Zibwe Ruth,
Cameroun's seventh matches. C'était la première professionnelle camerounaise. Le regard du ministre des Sports et de l'Éducation physique en pleine conversation avec le gouverneur de la région du centre, Nasri Paul Béa, et tous les autres invités présents au Palais polyvalent des Sports de Yaoundé. Estella Diana qui a reçu son trophée. Messi Moim getting distinguished, the 34-year-old, living to win another title for Kenya 8 years after getting the 2015 silverware. Coach Paul Bitok was talking about her important role in the Marcus Strikers squad of guiding the younger players, galvanizing them. Véritable leader de cette équipe kenyane. Yeah. Merci Moim. Elle également, trophée qui sera remis par Boven Roger. De la ramener. Ballon d'or. Merci. Meilleur joueur, il a été meilleur joueur de la Coupe d'Afrique des clubs. Champion. Avec Sonel Volleyball. Merci Moim, qui gardera un souvenir important tant elle a versé les larmes sur ce taraplex du Palais polyvalent des sports de Yaoundé en 2017. Yep. And what a way, she's having a smile in Yaoundé finally. I remember in 2017 when Kenya lost to Cameroon, it was all anguish. So Egypt. Aya Ahmed. Aya. Been distinguished also. Attaquant central. Very pivotal for Egypt. She wasn't really active today against Kenya, but she's really been a part of Egypt's international ancien wins. Yep. Pour lui remettre le trophée, Monsieur Adoum Garoua, ancien ministre de la Jeunesse, ancien ministre des Sports, et aujourd'hui directeur du Conseil. C'est à l'Institut national de la Jeunesse et des Sports. Yeah, that should be. Monsieur Adoum Garoua of the National Institute of Youth and Sport at INGS, the former sports minister Adoum. Ce que vous ne savez peut-être pas, Daniel, c'est qu'il était également un athlète champion, soit en longueur, soit en hauteur, It's a track and field. Volleyeur devant l'éternel. So the distinctions keep coming. Et c'est la capitaine rwandaise, je crois bien. C'est la capitaine rwandaise. And to hand over her prize, distinguished ladies and gentlemen, let's welcome the very gentle and handsome governor of the Central Region. Nasri Paul Béa, le gouverneur de la région du centre. Pour remettre ce trophée. À présent, le prix du meilleur libéro. Valentine Munezero. Capitaine de l'équipe du Rwanda, sociétaire de l'armée patriotique du Rwanda, réceptionneuse attaquante, quatrième distinction.
So, et voilà la libero. Yeah, the Egyptian getting the Nada. Distinction of the best libero in this. C'est une autre tournament. Nada. Nada Essaidi, it should be. And she will receive a prize from the hands of Madame. Pas Nada Essaidi, on va trouver son nom tout à l'heure. C'est cette jeune libero. In 2021, this same title went to Yusra Sweety of Morocco. She was the best libero. And Egypt's Nada has now gotten it this term. Egypt, who finished second in this ladies and gentlemen, competition. Prize of the best setter of this tournament goes to Issa Nada, meilleur libero, et puis Shep Shumba Sharon. Ah non! C'est la passeuse Immaculate. Immaculate. Meilleure passeuse. Immaculate de Misoti. Yeah, Immaculate is really happy about this one. She's stepping into the shoes of Jane Waku, the legendary footballer. Tout à fait, 20 ans seulement. Yeah. Sociétaire de Commercial Bank of Kenya, Kenya Commercial Bank. Champion d'Afrique, vice-champion d'Afrique. Yeah, it's a really huge role for Immaculate. Immaculate is now leading Kenya after Jane Waku, et pour lui remettre son trophée, un autre passeur de légende, Chamotte Jean-Fils. I was talking about Jane Waku, who retired from the Marco Strikers Scott 2 years ago, having won 4 continental titles and one All Africa Games title. Now it's. Et vous avez vu tout à l'heure, Daniel, stepping into that. La première fille à remettre le trophée du Guerut. Right. Eh bien, c'est son frère aîné. Et pour la MVP, la MVP de cette compétition, Sharon Shumba. La voici. 1m83, 82 kilos, hauteur d'attaque 3m4, hauteur de bloc 2m92. Personne n'a pu tenir cette attaquante de race. La voici, Sharon Shep Shumba, MVP de la compétition. Elle est passée professionnelle l'année dernière en Grèce, et même là-bas, elle a été sacrée best scorer. La remise, c'est tout dit. Sharon Shep Shumba replacing Christelle Nana, who won this same title in 2021 when Cameroon lifted their third consecutive trophy. Sharon Shep Shumba is now progressing to this one. Control Committee of the Confederation of African Volleyball. Ancien voleur, un Égyptien. Pour lui remettre le trophée, comme on dit, les oiseaux volent par plumage. Merci. Sharon Shep Shumba, in 2021, she was elected the best opposite hitter. This time around, she's been nominated the MVP of this tournament. The 1m83 opposite hitter for the Marco Strikers. Her very first Women's African Volleyball Championship title. Vous savez très bien la médaille de bronze, la médaille d'argent et la médaille d'or. Terminé avec le podium
les distinctions individuelles. Tout à l'heure, on va enchaîner avec les équipes, les sélections. Estella Diana, Merci Moim, Aya Ahmed, Valentin Musero, Nada Essa et bien sûr, Sharon Cheptumba. Toutes nominées aujourd'hui. Alors qu'on va procéder à la remise du trophée, les équipes qui prennent place juste derrière le podium, l'Égypte est déjà bien positionnée, le Kenya aussi, reconnaissable dans ses couleurs noir et or. Et puis tout à côté, le Cameroun qui a laissé la couronne entre les mains du Kenya. C'est la plus grosse consolation. Glaner une place. S'il vous plaît, monsieur l'ambassadeur du Tchad, le président de la zone 4 de volleyball, s'il vous plaît, honorable Salé, honorable Kododan, monsieur du protocole, s'il vous plaît, bien vouloir conduire. Monsieur l'ambassadeur aussi. Monsieur le président de la zone 4. Les honorables Kododan, Sané, le président de la zone 4, monsieur Samba, pour la remise de la médaille au Cameroun. Deux médailles, y compris la médaille de l'arbitre, s'il vous plaît. So this team will be receiving in all 22 medals, and including that of the referee. Gagnée pour la quatrième fois consécutive. Elles sont montées sur le podium. C'est une équipe en reconstruction. Il y a plein de pièces maîtresses qui manquaient à l'appel. Il y en a beaucoup. On a parlé de Amama Gigolo, on a parlé de Bibinbe, on a parlé de Laetitia Moma. Vous avez suivi Paul Bitok tout à l'heure et qui pratiquement implorait qu'elle soit ramenée en équipe nationale parce que c'est une fille qui a réussi là où Cheptumba n'a pas pu réussir, c'est important. Malheureusement, elle n'était pas avec les Lions. Les Lions ont pu se maintenir parmi les élus. C'est ce qu'il faut retenir. Après tout, la compétition, c'est pas pour 5 vainqueurs. Vous pouvez être 10, 15, 20, mais il n'y en aura qu'un seul à la fin. This is a memorable picture, an unforgettable one, a one that will leave an indelible mark in the hearts of these Cameroonians and all those present tonight. Alors, merci pour la photo. Please, can we celebrate Cameroon once more? Let us put our hands together again for Cameroon. Thank you. À présent, la médaille d'argent qui revient.
de belles images qui resteront. Est-ce qu'on peut applaudir pour l'équipe nationale de l'Égypte, s'il vous plaît? Please, let's celebrate the volleyballers from Egypt who really gave us a hard time here during this competition. Congratulations, congratulations, and thank you for your wonderful performance. The silver medal goes to VC. Please, can we celebrate them once again? Thank you. La médaille à l'Égypte. Après les médailles de bronze, que sont les Camerounaises? On les voit sourire à l'instar de Moussol, Fawzia Abdulkarim, Fosso Mogoun ou encore Abouambeza Théorine, sans oublier Fosso Gemchen qui c'est sûr. C'est sûr que c'est sa dernière compétition, en tout cas. Au ministère des Sports et de l'Éducation. Elle peut aller même jusqu'à 30, 37, 38, 39, 40 ans, mais compte tenu du fait qu'elle s'était déjà retirée, il est fort probable que ce soit sa dernière compétition. L'Égypte, à présent, pour recevoir la médaille de bronze. The president of the control committee, Mr. Kazimie Sawadogo, the inspector general of services at the Ministry of Sport and Physical Education, and head of affairs at the Egypt Embassy, Cameroon. Alors qu'on voit la ministre Marie-Thérèse Abenandoa qui accroche les médailles sur les vice-champions d'Afrique. So just like the previous Aya Sarah Ahmed, et voilà. Très contente quand même d'avoir atteint ce niveau. Et c'est un grand retour également pour l'Égypte. Photo de famille. It is seen, known, and registered. On dit toujours que la chute ne doit pas ôter la gloire de s'être élevée. Elles ont eu envie, elles ont eu l'envie d'aller chercher ce Kenya, empêcher que le Kenya prenne un dixième titre, hélas. Mais on est content, on a le sourire, et c'est ce qui compte. Merci. Excellences, mesdames et messieurs, nous allons passer à la médaille d'or. J'ai dit la médaille d'or, vous voulez bien. Excellences, distinguished ladies and gentlemen, before you come up to hand over these gold medals to the 21st edition of the 2023 Women's African Nations Volleyball Championship, we want to tell us that they will be representing Africa at the Volleyball World at the Olympic Games. Please, can we celebrate them, ladies and gentlemen? This is Africa represented here in Cameroon. Just as the name says, Cameroon, Africa in miniature. Ladies and gentlemen, Kenya! Le ministre de Conny qui sera accompagné par l'ambassadeur itinérant Roger Bila, le haut commissaire du Nigeria, le président de la FEC à voler pour la remise de cette médaille. Après la médaille, viendra la coupe qui sera remise par monsieur le ministre de l'Éducation. Lui est content d'avoir accompli
So please, we want to call on everybody to stand. Please stand. Merci de vous lever, mesdames et messieurs, pour reconnaître l'excellence. Bien sûr. Pour reconnaître la persévérance. Et peut-être aussi au championnat du monde s'il n'est pas remplacé avant. L'honneur revient au ministre des Sports et de l'Éducation physique de remettre les médailles aux champions d'Afrique en titre. Désormais, elles sont contentes. Sharon Shepchumba, Trisa, Belinda, Magoy, Adiambo. On a fini, nous avons fini par nous familiariser avec ces noms. Albert Ojemila, pour encourager, il a des relations particulières avec le Brésil. Vous avez vu la poignée de main. Et Paul Bitok, qui prend également sa médaille. Est-ce qu'on peut accueillir le trophée de cette 21e édition de la respecté, adulé même au Brésil. Est-ce qu'on peut accueillir le trophée? Ladies and gentlemen, Monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique du Cameroun. The most precious, the most precious, the most Australian. Elle pleure même avant d'avoir reçu le trophée. Monsieur le vice-président, qui représente ici madame la présidente de la Confédération africaine de volley. Merci Moy. Merci Moy. Ses bras par le président de la Fédération kenyane de volleyball, Charles Nyaberi. Photo de famille pour immortaliser ces instants, ces moments importants, des souvenirs qui resteront certainement dans les mémoires. Daniel, au moment où cette compétition rentre dans l'histoire, que le Kenya a démontré une fois encore qu'il est le maître en matière de volleyball féminin au Cameroun, c'est terminé
pour cette belle aventure qui a démarré le 15 août dernier ici même à Yaoundé. On a joué au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. On a joué au gymnase de Mfandena pour un total de 37 rencontres normales, sans oublier les matchs de classement. On sera allé à plus de 40 matchs et tous les jours avec le même plaisir, avec les mêmes émotions, sans jamais se fatiguer, sans jamais refuser d'investir le Palais Polyvalent des Sports ou encore le gymnase de Mfandena. Ça a été une très belle fête et on va profiter pour dire merci à toute l'équipe de production de la CRTV, nos amis des liaisons satellitaires amenées par Norbert Ndongo, la direction des solutions technologiques et toutes les autres démembrements de la CRTV. Ça a été un plaisir pour nous de vous accompagner et on dit également tout est bien qui finit bien. Daniel, ça a été un plaisir. It's also an absolute pleasure to have you watch yourself in sports and entertainment for this tournament. Votre attention. Thank you so much for your time and patience. The entire CLTV is thanking you for following this competition. We're going to leave you with these visuals of the Marcus Strikers celebrating their 10th Women's African Volleyball Championship title. De volleyball, monsieur Keoni, qui est décédé au cours de cette année. Je vous remercie. Une minute de silence, s'il vous plaît. Je vous remercie. Professeur Narcisse Maolé Kombi, ministre des Sports et de l'Éducation physique, Madame Abena, ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Monsieur Nassiri Paul, gouverneur du Centre, Honorable Kondo Dang, ancien président du Parlement panafricain, Monsieur Oum, vice-président du Conseil régional du Centre, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur l'ambassadeur itinérant Roger Milan, Monsieur le président de la Fédération camerounaise de volleyball, Monsieur et Madame les membres du bureau exécutif, Messieurs les anciens joueurs, Messieurs et Madame les anciens joueurs, Mesdames et Messieurs à vos rangs et qualités. La présidente de la Confédération africaine de volleyball, empêchée,
m'a fait l'insigne honneur de la représenter aujourd'hui à cette cérémonie très importante qui est la Coupe d'Afrique des Nations d'âme. Je voudrais avant tout remercier Son Excellence Monsieur Paul Biya, président de la République du Tchad, c'est pas grave, il va cumuler des fonctions. Président de la République du Cameroun, pour avoir permis pour que cette belle fête soit faite aujourd'hui ici au Cameroun. Le président Paul Biya a toujours mis des moyens nécessaires, non seulement pour la jeunesse camerounaise, mais aussi pour le sport d'une manière générale. Et aujourd'hui, les équipes camerounaises font la fierté de l'Afrique, qu'ils soient dans le domaine du football ou dans le domaine du volleyball. Nous en sommes fiers et c'est le lieu ici de féliciter M. Narcisse qui a ménagé aucun effort pour qu'aujourd'hui, la Fédération camerounaise de volleyball puisse avoir les moyens nécessaires pour que cette Coupe d'Afrique des Nations d'âme puisse se dérouler dans de meilleures conditions ici au Cameroun. Cette manifestation importante est aussi qualificative pour les Jeux Olympiques Paris 2024. C'est le lieu ici de féliciter les équipes gagnantes qui ont valablement défendu leur trophée, surtout le Kenya et aussi l'Égypte, qui n'a pas démérité, mais il va falloir avoir un gagnant et un perdant. D'où ce soir, c'est l'équipe kenyane qui a eu le dessus sur l'équipe égyptienne. Je voudrais aussi féliciter l'équipe camerounaise qui a su bien jouer malgré les difficultés auxquelles elles ont été confrontées. Une troisième place dans une Coupe d'Afrique des Nations, à mon avis, n'est pas une chose facile. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elles méritent qu'on les applaudisse très chaleureusement. Cette équipe qui a encore de l'avenir, et je suis sûr que les années qui suivent, cette équipe aura à être sur l'échiquier international. Pour finir, je voudrais féliciter le comité de contrôle, à sa tête, M. Casimir, qui est vice-président de la Confédération africaine de volleyball, et toute l'équipe technique, ici présente à ma gauche, les arbitres, les juges des lignes, et tous ceux qui ont de près et de loin participé à cette belle cérémonie que la Confédération africaine de volleyball a bien voulu donner l'organisation à la République du Cameroun. Je voudrais aussi remercier le président de la Fédération internationale de volleyball, M. Harry, qui n'a ménagé aucun effort pour que l'équipe kenyane aujourd'hui ait un niveau raisonnable. Parce que c'est grâce à la Fédération internationale de volleyball que l'équipe kenyane a eu à se former et à développer son volleyball en profitant de ce projet qui a été mis en place. Je voudrais demander au président de la Fédération camerounaise de volleyball de bien vouloir souscrire cet emploi qui est prévu pour 2024 pour que l'équipe de volleyball du Cameroun puisse profiter de ce projet qui pourra sûrement développer les capacités de nos joueuses au niveau de cette zone que, n'oublions pas, je suis aussi de la zone 4 que je soutiens avec beaucoup d'amour. Pour finir, je voudrais remercier tous ceux qui ont participé, surtout les journalistes qui n'ont ménagé aucun effort pendant ces semaines, pendant toute cette durée de compétition et aussi tous ceux qui sont volontaires, les anciens joueurs, les anciens ministres de sport et tous ceux qui ont de près ou de loin participé à cette cérémonie qui est très importante pour la Confédération africaine de volleyball, pour l'avenir du volleyball africain. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour finir, nous allons inviter à ce micro
le professeur Narcisse Mouelekombi, ministre camerounais des Sports et de l'Éducation physique, pour la déclaration de clôture de cette compétition. Monsieur le Président, représentant de la Confédération africaine de volleyball, Excellences, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président de la Fédération camerounaise de volley, Mesdames et Messieurs, au nom du Président de la République, je déclare close la 21e édition du championnat d'Afrique de volleyball senior dames Cameroun 2023. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Je dis, avec cette déclaration de clôture, nous mettons définitivement fin à cette compétition. Yes, it is with a little pain in the heart that we are going to say goodbye and thank you so much for having